Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter par le biais de cette vidéo l'outil GestSup permettant aux membres de l'Institut de mathématiques de Marseille d'effectuer l'ensemble de leurs demandes au pôle budget de l'équipe d'appui à la recherche de ce laboratoire. Nous débuterons cette présentation avec l'organisation des déplacements que vous pourriez être amené à faire dans le cadre de vos activités de recherche, à savoir des missions ou des invitations de personnalités extérieures à l'I2M. Tout d'abord, pour vous connecter à cet outil, je vous inviterai à vous rendre sur le site web suivant demande.i2m.univ-amu.fr. Pour vous connecter, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour la connexion à votre espace numérique de travail, ENT, d'Aix-Marseille Université. Une fois connecté, vous aurez en visuel une page d'accueil avec l'ensemble des demandes déjà réalisées. Pour effectuer une nouvelle demande, cliquez sur le bouton vert en haut à gauche. Vous aurez alors trois types de demandes possibles. Nous allons commencer par la demande de départ en mission pour un membre de l'I2M. Dans le formulaire ordre de mission, le titre doit décrire en quelques mots très précis la raison de votre mission, dont vous pourrez ensuite expliquer plus précisément le contexte dans le champ motif de la mission. Par exemple, dans le cadre où vous allez assister à une conférence, mentionnez le nom exact de cette dernière dans le titre et dans le motif de la mission, le lien entre ce déplacement et vos travaux de recherche en cours. Le type de mission spécifie dans un menu déroulant si votre déplacement est dans le cadre d'un colloque, d'un séminaire ou d'un autre type d'événement. Vous devez également choisir si ce déplacement occasionnera ou non des frais à vous faire rembourser par l'I2M. Si cette mission est avec frais, vous devrez compléter les données budgétaires, à savoir les crédits, qui devront être utilisés pour la prise en charge de ces frais. Le responsable des crédits, qui est le valideur financier de votre demande de mission, est défini par défaut dès que vous aurez sélectionné le type de mission avec frais. Vous devrez ensuite compléter les informations relatives à votre déplacement, à savoir les dates de départ et de retour, ainsi que le lieu où vous vous rendez, avec le mode de transport nécessaire. Afin que le responsable des crédits puisse valider votre demande de mission, il est important que vous puissiez lui fournir une estimation du coût de ce déplacement en complétant le champ « montant estimé ». Le responsable complétera ensuite le montant maximum autorisé pour votre mission. À la suite de cela, vous pouvez cliquer sur le bouton vert « valider » pour finaliser votre demande de mission. Vous verrez ensuite apparaître en haut du formulaire que vous venez de compléter que votre demande est enregistrée, ce qui signifie que le responsable des crédits a été notifié par mail de votre demande afin qu'il puisse la valider. Nous allons désormais voir comment réaliser une demande d'invitation pour une personnalité extérieure à l'I2M qui viendrait travailler avec vous. Pour cela, vous devez sélectionner le bouton « Invitation d'une personnalité extérieure » dans « Nouvelle demande ». Vous verrez donc apparaître le même type de formulaire que pour une demande de mission pour vous-même, sauf que vous devrez cette fois compléter les informations relatives à votre invité, à savoir ses prénoms, nom, mail, son laboratoire et son pays d'origine. C'est donc à vous, invitant, à faire la demande pour votre invité sur cet outil GestSup. Il est important que vous soyez explicite dans le motif de la mission et donc de cette invitation, à savoir ce sur quoi vous allez travailler avec votre invité et dans quel contexte. Les champs suivants sont les mêmes que ceux pour une demande de mission, avec les informations de voyage, les crédits à utiliser pour cette invitation et le montant total estimé de cette dernière. Votre demande d'invitation est alors finalisée dès que vous avez cliqué sur le bouton « Valider » et que l'inscription « Demande enregistrée » est apparue en haut du formulaire. Vous pouvez vous déconnecter une fois que vous avez terminé votre demande. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, votre demande donne lieu à l'envoi d'un mail au responsable des crédits à utiliser pour cette dernière et s'il la valide, vous recevrez ce récapitulatif par retour de mail. Vous pourrez cliquer sur le lien en haut en bleu pour accéder à votre espace de demande validée. En sélectionnant par exemple la dernière demande réalisée et validée, vous pourrez échanger directement avec la personne gestionnaire du pôle budget qui a pris ou prendra en charge votre demande via le champ « Résolution » qui fonctionne comme les commentaires ajoutés dans un ticket ENT. Vous pourrez ainsi ajouter des informations plus précises non renseignées précédemment dans le formulaire de demande ou poser une question d'organisation par exemple.
Vous avez également la possibilité de télécharger les fichiers nécessaires à la complétude de votre demande, à savoir le programme de l'événement pour lequel vous vous déplacez, un document d'identité ou par exemple le formulaire de création d'agent si vous partez en mission pour la première fois à l'I2M. Cliquez ensuite sur la flèche verte montante pour télécharger le document souhaité. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » dès que vous avez terminé vos modifications afin que la personne gestionnaire puisse les traiter. Merci à vous pour votre attention sur ce chapitre et n'hésitez pas à venir nous voir ou alors à nous contacter à l'adresse générique du pôle budget, à savoir i2m-pôlebudget@univ-amu.fr. À très bientôt.